Sophia, j'ai encore une lettre qui est arrivée pour toi. Merci Clovis, je suis si heureuse d'avoir du courrier. Cette lettre vient d'un ami qui s'appelle Caleb. Chère princesse Sophia, mon frère est vraiment génial. On joue aux pirates sans arrêt et on aime ça. Et ton frère, le prince James, qu'aime-t-il faire? Qu'est-ce que James aime faire? Il est tellement étonnant. Je vais sûrement avoir besoin de plus de feuilles pour répondre à cette lettre-là. Cher Caleb, je suis ravie que tu m'aies écrit. Est-ce que tu sais que James adore jouer aux pirates lui aussi? Et j'aime bien faire semblant d'être une princesse pirate et me battre en duel avec l'amiral James. Peu importe à quoi on joue, James me fait toujours rire. Que ce soit quand il jongle, ou quand il fait semblant d'être un fantôme, ou qu'il passe comme un éclair sur ses chaussures à roulettes. Mais j'ai appris à ne rien laisser qui risque de se casser quand James est dans le coin. James n'est pas seulement amusant, il est aussi très gentil. Il m'a beaucoup aidée le jour où je suis arrivée à l'Académie Royale. Quand Hugo m'a dit que je ne pourrais jamais faire partie de l'équipe du derby volant, James est resté près de moi et ensemble, on a prouvé à Hugo qu'il avait tort. Il y a encore une chose que j'adore chez James, c'est que je peux aller le voir avec un problème et qu'il m'aidera toujours à le résoudre. À sa façon, souvent assez particulière, bien sûr. Tu vois, James me fait toujours beaucoup rire. On dirait que ton frère est fantastique lui aussi. Je crois que toi et moi, on a beaucoup de chance. J'espère que tu me répondras bientôt. Tendresse, princesse Sophia. Clovis, tu peux t'assurer que Mia et Robin donnent bien cette lettre à Caleb? Je m'en charge. Oh, et ensuite on pourrait voir si James et Rex voudraient jouer à cache-cache. Je trouve que c'est une bonne idée.